allez bien, nouvelle vidéo en compagnie de... Younes, le big boss des boss des boss. Je sais que je voulais le dire. J'espère que vous allez bien la famille. Donc aujourd'hui se passe une méga dinguerie Myriam. Je vais t'emmener dans un fast-food qui est le nouveau McDo. Oh merci, merci. On va manger que des filets au fish. Non, ce fast-food est halal. Vous savez que nous personnellement McDo on... boycott. Donc Myriam, t'es prête à tester le nouveau McDo? Les mêmes menus, les mêmes sandwichs. C'est halal. Et tout ça dans cette vidéo. Tout ça pour c'est vous. C'est halal. Oui, c'est halal. Merci. On est sur le site Big M Myriam. Regarde les Big Burgers. Big Mac, double Big Chicken. Hey, je vais te montrer la carte. Toi, tes dents là, ils vont tomber. Il est là le menu Big Mac. C'est quoi cette dinguerie? Hey, on commande toute la carte. Il y a le cheese, le Mac Chicken aussi, regarde. Il y a le double cheese. Ils ont même le deluxe au bout. Hey, tu commandes. Attends, on a le 290, le sandwich de McDo. Il y a même le Big Tasty. Oh les gars, il y a vraiment tout. On m'avait parlé de ce resto, mais j'y crois pas. Attends, est-ce qu'ils ont les menus enfants? Genre, menu enfant, on va te prendre ça, je crois. Menu enfant. Non, 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 tu prends un menu enfant, je te mets la carte dans la tête. On a mis aussi les croques, monsieur Mac. Ah. Big Game vs McDo, c'est parti. Les gars, regarde, sont arrivés, mais Younes, t'as pris toute la carte, oui. Ça pèse mon poids. Il faut qu'on teste, tiens, il y aura ça pour la dégustation. Mais non, c'est pour couper les burgers, Myriam, calme-toi, t'inquiète pas, on va bien manger, ça va bien se passer. C'est quoi ce couteau là, il fait la taille de mon bras? On va découvrir les gars les emballages de Big M. On va voir s'ils se sont appliqués. Déjà, la boîte est très très belle, les amis. Vous pouvez pas dire le contraire, c'est pas une vidéo sponsor ou quoi. Mais tu reçois ton burger dans cette belle boîte, ça te donne envie de... C'est marié comme la baisse, ça va? T'as donné envie de faire la bise. Mais par contre, mais Big M, j'espère que vous avez pas oublié des trucs comme McDo et tout. Parce que McDo, toujours, il t'oublie un truc. Soit il t'oublie ta barquette de frites, soit il t'oublie ta sauce. Ah, il y a une différence, les mecs. Regardez les frites. Elles sont dans un sachet comme ça d'huile. C'est bien huileux, c'est bien gras. C'est ce qu'on aime. Je vais pas faire le mec, c'est trop gras, c'est des frites. C'est normal, c'est gras. Par contre, c'est la street. Regardez le dessert, ils l'ont mis dans un sac comme ça. Un sac poubelle. Le dessert, vous savez quoi? C'est une petite surprise. On en reparlera en fin de vidéo, on va le mettre sur le côté. Oh, mais par contre, comment on fait pour reconnaître les burgers? Ils sont tous pareils. Alors que chez McDo, normalement, il y a marqué Big Mac, filet au fish et tout. Ça fait moins un point pour Big M. La commande est arrivée, on en a eu à peu près pour 60 euros, Myriam. Ah, ça va. Ça va. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye, ça va pas. Vous savez comment elle est? Donc on va commencer par le premier sandwich les amis. Et j'ai nommé le... Big Mac. Vas-y, tu peux le découvrir Myriam. Il est là. Big Mac, c'est un double Big Mac, qu'est-ce que tu me racontes? Il est toujours fait comme ça. Un steak au-dessus, il n'y a pas de sauce au-dessus. Est-ce qu'ils ont réussi à faire la sauce en dessous? On verra. Il n'y a pas de cornichon. Voilà. Oh yes, il n'y a pas de cornichon. Le Big Mac c'est toi, tu te rappelles à la mec? Ouais. Oh, le Big Mac c'est elle et je t'apprends mon pot. Hey, vous croyez on allait comparer que en mangeant? On a fait un tableau pour voir qui est le plus rentable entre les deux. Big M à gauche, McDo. Big M, ils ont fait le menu Big. C'est le menu Big Mac, ils peuvent pas l'appeler Big Mac. Si ils l'appellent Big Mac, McDo ils vont porter plainte contre eux. Chez Big M, c'est 10,30€ et McDo 11,45€. Donc en vrai, il y a 1,30€ de différence. Ça va. Je vais envoyer mon promo aussi. Regardez ici, donc. Est-ce qu'ils ont réussi à faire la même sauce? C'est ce qu'on va voir. Bismillah. C'est la même chose. C'est la même chose. Incroyable. C'est la même chose. Non. En fait, ils ont rajouté un tout petit peu plus de sel. Là, on vous montre une séquence de quand j'ai mangé McDo à la mec. Regardez, là sort le Big Mac. Regardez comment il va être le Big Mac. Est-ce que ça va être pareil chez Big M? Oh, le croc que t'as fait. Les gars, on dirait que c'est un mec qui a travaillé à McDo. Il a démissionné ou il s'est fait virer. Il s'est énervé. Il a créé Big M. C'est la même chose, on est d'accord. C'est la même sensation qu'un Big Mac. Sauf que c'est halal. Les musulmans peuvent y aller. Donc, pour ma part, pour l'instant, c'est un 8 sur 10. Pour ma part, c'est un 9 sur 10. C'est vraiment incroyable. T'as dit une fois incroyable. Je veux plus jamais te revoir de la vidéo dire incroyable. Il faut varier le vocabulaire. Ok. Ok. On va passer au deuxième burger. Alors celui-là, c'est le McChicken. Le McChicken, vous voyez, c'est une grosse tranche de poulet avec de la sauce, du fromage. Moi, j'avais kiffé ça à la mec aussi. Et là, on va envoyer. J'espère qu'il y aura une sauce vache qui rit comme l'autre. Ouais. Deuxième sandwich, Chicken M. Non, le Chicken M, vous avez vu, c'est le McChicken. Il est à 6,90€ et 7€ chez McDo, c'est la même chose. Bismillah. Après, tu vas me laisser. C'est des sorciers, c'est des marabouts, c'est des maîtres chanteurs. Mais comment c'est la même chose? Je vous promets que c'est le même goût. J'ai l'impression de manger un McChicken du McDo. Le poulet est extrêmement bon. Ça fait penser à un cordon bleu mais sans le fromage dedans. Et la sauce, les frères. Oh, moi je préfère celui-là que Big Mac pour ma part. Et la désolé, salade. Désolé, bon, là c'est vrai. Et 10 sur 10, il est trop bon. Les gars, Big M pour l'instant c'est un sans faute. Ils ont voulu faire comme McDo, c'est réussi parce que regardez la sauce ici, je vous promets, c'est pas de la mayonnaise. Hein. C'est une sauce vraiment très très bonne, très sucrée. Tu vas tirer un truc comme ça. T'as capté. Pour ma part, celui-là ce sera un solide 9 sur 10. Pour l'instant, c'est super. Tu sais pas, regarde, t'as mis de la sauce là. Je suis désolé, Myriam, j'ai fait une dinguerie. T'as le droit de me punir en faisant le premier croc du prochain burger qui est, attention, le 290. C'est le 280 du McDo. Je peux l'ouvrir pour voir comment il est à l'intérieur. Alors là, c'est ketchup mayo, fromage. Ah, ketchup mayo, je sais pas les traits si c'est un bon combo. Je vais c'est pas ketchup mayo. C'est ketchup mayo, tu crois c'est quoi? Le troisième sandwich, ils ont appelé le 290, c'est le menu 280 de McDo. Ils ont rajouté 290 pour pas se faire griller. À 8,90€ chez Big M et 10 balles chez McDo. 10 balles, il y a 1€ de différence. Baguette cette fois-ci, on avait le pain brioché, ma pain baguette, regardez à l'intérieur quand tu tapes ton croc. Celui-là, je me rappelle, j'avais goûté avec Yacine au McDo, j'avais apprécié. Je te laissais dire ton avis. Moyen. Ah, celui-là, ah ouais. On va voir, bismillah.
En fait, c'est l'œuf qui rattrape tout. L'œuf ? Il n'y a pas d'œuf. Si. Mais. Ah non, c'est du fromage. T'as vraiment un palais de famille. C'est une dinguerie, t'as confondu du fromage et de l'œuf. Mais non, au visuel, j'ai cru que c'était de l'œuf. Alors, je sais pourquoi elle dit en mode ah, le pain, promet ce pain-là, là. Il était fondant et ce pain-là, il est très, trop très sec. Je pense pour qu'il soit bon, tu sais, faut faire quoi? Bah, Big Game, tu le manges direct dès qu'il sort du four parce que faut de l'eau. Hein. Il faut du Perrier pour avaler ça, que ça reste conservé. Sinon, le steak, t'en penses quoi du steak, toi? Le steak, il est bon, mais un peu, genre pas comme les autres. Tu vois, celui-là, il est un peu fort. Ah ouais, il est un peu fort. C'est vrai que celui-là, le Big Mac, c'est du steak. Regardez, c'est du steak tout fin. Et là, le steak, il est un peu plus gros, donc c'est pas les mêmes steaks. Donc celui-là, tu mettrais combien sur 10? 6 sur 10. Ok, moi je mettrais 5. En vrai, 5 parce que c'est vrai que celui-là, il a un cran dessous. On a goûté deux burgers exceptionnels. Maintenant, les amis, on va passer aux frites. Alors, les frites, je tiens à m'excuser, Big Game, parce qu'au début, il y avait un sac huileux. Ouais. Mais, ils ont fait leur barquette. Regardez la barquette, c'est marqué Big Game. Et derrière, c'est écrit c'est ça qu'on aime. Alors là, Big Game, vous avez une grande responsabilité parce que les frites du McDo, faut reconnaître, même si on boycotte, elles sont exceptionnelles. Les frites du McDo, quand tu les manges sous là, elles ont l'air molles. Regardez, attends, là, on voit pas molle. Il faut une grosse. Celle-là. Regardez, c'est mou. Goûte. Ouais, alors je peux dire mon avis? Vas-y. Pour ma part, hein, j'aime pas du tout. Ça me fait penser à des frites que tu sais, tu laisses pendant 6 heures et tu les manges, elles sont un peu dures, à plat plat, molles. Moi, c'est pas trop pour moi, les frites, elles sont pas validées pour ma part. Moi aussi, pour ma part, c'est pas trop validé parce que tu vois, j'ai l'habitude de goûter des frites dans les fast-food. Et ben, cela, c'est pas trop ça. Mais après, sinon, les burgers, ça va. Donc, ce sera un 4 sur 10 pour les frites. Ouais. Après, les frites de McDo, c'est dur de les déloger, frère. Les frites de McDo, c'est une dinguerie. Et en fait, ils ont une manière spéciale de les faire. Ouais. On enchaîne avec le petit bébé, le croc. C'est quoi? Croque McDo. C'est le croque. À chaque fois, Ramdan m'avait donné une technique, c'est de le manger sans la tranche de jambon, tu vois. Là, on peut manger comme c'est halal. Et il me disait quoi, Ramdan? Il me disait en mode, tu vas au McDo, je pourrais avoir un croque sans jambon. Et c'était une masterclass, le fromage, il est bon. Il y avait de la vache qui rit, je crois, dans le croque McDo. Là, je vois pas de fromage. Pas de fromage, hein. Oh, t'as tout cassé. Enfin, je veux dire, il y a pas de vache qui rit. Le quatrième, c'est le croque. Vous avez vu le petit là, le petit sandwich pour le matin, ça fait plaisir. Chez Big M, il a 4,20€. Et chez McDo, 4,40€. C'est la même chose. Vas-y, on goûte. Vas-y. Mais qui me dérange pendant ma dégustation? Les gars, le croc, il est plutôt incroyable. Les gars, j'ai jamais goûté de croc comme ça de toute ma vie. À part peut-être quand tu les fais maison. Mais les gars, celui-là, c'est le meilleur. Vraiment, il est incroyable pour moi. C'est validé à fond, 10 sur 10. Oh, je lui ai dit, parti faire quoi? Il a été chercher sa deuxième commande? Ah, c'était décollé. Avant qu'on me dérange. Puis là, les gars, j'aime bien parce que c'est comme si tu mangeais un petit gâteau. Tu vois les brioches au chocolat? Et ben, c'est une brioche salée. Il passe bien, ça, c'est ça, je vois bien pour les petits. Les petits enfants qui aiment rien. Moi je vois bien ça, 3 pour le matin. Non, 3 c'est beaucoup. Je pense 1 avec un autre burger, c'est très très bon. Celui-là, les gars, je lui mets 9 sur 10. Il passe crème, il glisse. Avant-dernier burger, les amis. Oh, il est bien emballé celui-là. Hein. Celui-là, les gars, c'est le triple cheese. C'est un petit peu ma phobie du McDo. C'est mon burger que je déteste le plus. Tu peux enlever le cornichon, on va le laisser, on est obligé. Non. Cornichon, ketchup, moutarde, ça, le combo, il est répugnant. Mais pour vous, on va quand même le goûter parce que si vous allez à Big M, on va voir au moins s'il est bon celui-là. On enchaîne avec le triple cheeseburger. 3 steaks, les amis, ils l'ont appelé pareil que McDo. Triple cheeseburger, ils avaient le droit. 8,30€ pour Big M et 6€ seulement pour McDo. Donc là, Big M. Attention, Big M, 8€, il y a 2€ de différence. Bismillah. Enlever cornichon. Non, bouffe. Validé. C'est pas du tout validé. C'est pas qu'il est pas bon, Allah, mais la combinaison moutarde, ketchup, cornichon, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas, celui-là, je l'ai vraiment pris pour vous montrer ça donne quoi. Mais en tout cas, le pain est très très bon, très très fondant. Le steak est bon, le fromage est bon, mais c'est juste les sauces et cornichons, ça. Bah, ça fait mal au ventre, carrément. Dernier burger, les amis. J'espère que celui-là, on va être choqué. Celui-là, c'est le L Bacon. Celui-là, j'ai tout le temps vu dans les cartes McDo, mais je pouvais jamais le prendre. Oh, regardez-moi ça, une bonne tranche de bacon, de la sauce, du fromage, de la salade et de steak. Celui-là, il donne envie, ça. Vas-y, goûte en première, ça veut dire c'est que... Le L Bacon, ça vous fait penser à quoi? Le long bacon chez McDo, en plus, bacon, c'est pas halal, on n'a jamais pu le manger. Et là, c'est du bacon de dinde, c'est incroyable. Chez Big M, il est à 6,90€ et chez McDo, 7,75€. Encore, les gars, Big M, c'est trop rentable au niveau des prix. Et toi, t'as croqué la croque, normal. Vas-y, croque. Et regardez, j'ai oublié de vous dire, c'est pas le même fromage, c'est-à-dire c'est de l'emmental. Vous avez vu, c'est de l'emmental. Oh, celui-là, ça, c'est peut-être le préféré. Ah, dommage. Dommage, les gars, la sauce, elle va pas avec le burger. C'est dommage. Le pain est bon, le steak, le fromage, mais la sauce, ils ont mis une sorte de sauce de giant et ça va pas du tout avec. Ils auraient dû mettre, ouais, une sauce de cornichon. Ils auraient dû mettre de la mayonnaise. Ouais. Mais en vrai, tout est bon sauf la mayonnaise. La mayonnaise du McDo, ils auraient dû mettre la crème de luxe. C'est un 7 sur 10 quand même. Ouais. Il est solide. Et pour finir, les amis, pour le salé, on a les fameuses nuggets du McDo. Alors, elles me font vraiment très très peur. Regardez la gueule qu'elles ont. Celle-là, faut la couper en deux. Je vais te laisser goûter, Myriam. Et pour finir, les petites nuggets. 4€ chez Big M. Et 5 balles chez McDo. Pensez ce que vous voulez. Vous êtes... J'ai même pas envie de goûter, mais c'est pour vous, allez. Mais...
Non, j'aime pas. Ça se voit que ça va pas être bon. Regardez la tête qu'elles ont. Dans les nuggets, je suis pas très fan. J'ai jamais goûté les nuggets du McDo. Mais si, en Turquie et tout, t'avais goûté. Ah oui. Non, celle-là, c'est pas du tout validé, les Khaï. Ça, c'est plus pour les enfants, les tout petits, quand ils vont au McDo. Et maintenant, c'est le moment de passer à la dernière touche de la vidéo, les gars. Avant, mettez un like, abonnez-vous. On a découvert une pépite. Le sucré. Alors, le premier dessert, les gars, là-bas, il y a pas de McFlurry, il y a pas de glace comme McDo, mais il y a des petites tartes. Alors, ça, c'est une tarte Nutella. Coco, Nutella, coco, d'accord. J'aime pas trop la coco, mais vas-y, je vais goûter pour on vous. On va goûter. Allez, c'est parti. Je vais goûter pour vous parce que j'aime vraiment pas la coco. Moi, c'est un truc qui m'a donné envie. Vas-y, goûte. Bismillah. Ma part, c'est un solide 10 sur 10. Non, pas 10 sur 10. C'est un solide 8 sur 10. Pourquoi? Parce que tu vas en manger une et ça va te donner envie d'en manger plein, genre. Ça va pas te caler. Pense quoi, toi? T'es toi qui est pas fan de la coco. Moi, je suis pas fan de la coco, mais j'ai vraiment un peu aimé. Un peu aimé, ok. Ouais. Tu mettrais combien la moyenne? Je mettrais 6. Ok les amis, le dernier dessert là, c'est vraiment la nouveauté de Big M. Regardez-moi ça, c'est une sorte d'éclair au chocolat. Oh. Je sais pas comment ils appelaient ça. Une fusée, black and white. Ça s'appelle une fusée. Regardez-moi ça. Une fusée, ça s'appelle. On va essayer. En fait, il appelle la fusée parce qu'il y a... Alors ça, je pense que ça se croque direct. Hein. Fusée, fusion. Tiens. Ça, je pense que ça se croque, frère. Je suis un ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Non, trop tard. Sous l'air. Je suis pas trop fan. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais je suis pas très très fan. En mode là-haut, t'as vu, c'est bon chocolat blanc Oreo, mais la pâte en bas, elle a un goût bizarre. Oui. Elle a un goût bizarre, les amis. Donc en vrai, le dessert, c'est à moitié validé. Mais après, c'est chaud de rivaliser avec McFlurry. Donc en gros, les amis, aujourd'hui, c'était Big M, le nouveau McDo. On a beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé les sandwichs. C'est positif. C'est même presque mieux que le McDo. Nous, on va vous laisser. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Peace.